Salut, c'est Maximus. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment, dans Fusion, faire un genre de pré-composition. Parce que moi, je travaille sur Fusion depuis un petit peu de temps. J'ai fait la formation sur Fusion. Donc, une formation, c'est un module additionnel sur ma formation DaVinci Resolve. Tu peux apprendre Fusion sur DaVinci Resolve 15. C'est très, très bien. Leçon très complète. Il y a 30 leçons. On part de zéro. Bref, voilà. Mais du coup, il y a un truc qui est très important, c'est que quand tu utilises After Effects et Premiere et que tu veux te dégager de ça potentiellement parce que tu as envie de changer ou autre, ou pour des questions d'argent, ou bref, et ben tu as envie potentiellement d'apprendre Fusion puisque c'est l'alternative pour faire des effets sur DaVinci Resolve. Surtout que c'est intégré au logiciel, pas besoin de Dynamic Link, c'est intégré. Et donc du coup, ben, c'est compliqué parce que Fusion c'est du nodal, donc c'est pas du layering et c'est un peu différent. Je ne peux pas aborder tout Fusion dans cette vidéo, par contre je veux essayer de te donner une petite astuce, peut-être que ça te servira si tu es déjà à un niveau un peu avancé ou si tu débutes pour mieux comprendre. Et cette petite astuce, c'est comment quand tu as une grosse composition et que tu composes un effet assez intéressant, important, où il y a pas mal d'éléments, comment faire pour faire un genre de pré-composition, donc créer des éléments qui sont créés aussi dans Fusion et les intégrer après à ta composition principale. Je vais essayer de te montrer ça et j'espère que ça te servira pour pouvoir faire ta migration si c'est ce que tu veux faire. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Fusion, ça ne fonctionne pas comme After Effects. Tu pourrais croire que ça, c'est des layers et donc tu travaillerais en layering, mais non, puisque Fusion fonctionne avec des nodes. Et donc les nodes ici, ils servent tout simplement à composer un effet. Donc si on prend ici ce node pour prévisualiser l'effet, on voit tout simplement notre effet. Si je me mets au début et que je fais play, tu vois que là, j'ai un effet qui apparaît, j'ai toutes mes animations, etc., etc. Et si je déroule encore un petit peu, mon effet voilà, évolue et devient mon outro de ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est très très bien. Mais je voulais te montrer un petit truc que moi je fais parce que je, voilà, quand je travaille dans Fusion, j'aime bien des fois segmenter mon travail. Et donc, je veux te faire comprendre comment fonctionne Fusion si on n'est pas en layering et si on ne peut pas faire de pré-composition. Puisque dans Fusion, quand on est dans un onglet comme ça, c'est un projet. Donc ça correspond à un projet en soi. Ça correspond à une composition, si tu préfères. Et à l'intérieur de cette composition, on a plein de nodes comme ça qu'on peut mettre et on peut faire autant de nodes qu'on veut pour pouvoir créer notre effet. Le problème, c'est que si là, je veux créer, par exemple, un petit truc en plus ici, là, je veux créer des petites flèches parce que ça, c'est mon outro YouTube. Donc ici, tu vas avoir le rond de YouTube qui est créé par YouTube. Donc du coup, moi, je veux créer une petite flèche pour pointer vers ce rond. Pareil, ici, tu auras des suggestions de vidéos, etc. Et ici, le lien vers mes formations sur Maximus University. Et donc du coup, je veux faire des petites flèches. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de faire ces petites flèches ici en plein milieu. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les créer dans une composition tout à fait différente. Ici, tu vois, qui est vierge. Je vais créer cette petite flèche très rapidement. Et ensuite, je te montre comment j'intègre la petite flèche dans mon autre composition principale. Et maintenant, comment on intègre notre flèche clignotante là-bas? On va tout simplement sélectionner tout ça, jusqu'au glow. On le prend, on sélectionne, on fait copier, on vient ici, on va se trouver de la place et on va faire coller. Il nous faut beaucoup de place, voilà. On fait copier-coller. Et maintenant ici, ça on va en avoir besoin plusieurs fois, parce qu'on va en mettre une là et une là, donc on a besoin de 4, donc on va simplement faire un groupe. Sinon on va se retrouver à dupliquer ça, et ça va être énorme, ça prend trop de place, etc. Donc on va encore une fois tout sélectionner et on fait pomme G. Et là on a un groupe avec des groupes à l'intérieur, d'accord? C'est un peu groupception. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, là tu vois j'ai mes textes. Alors là je le fais vraiment la barbare, j'ai rien, j'ai vraiment rien nommé et tout, je l'en ferai très salement fait. Mais là on a notre texte et ces textes là du coup c'est ces textes là qui apparaissent à un certain moment. Donc on va faire en sorte d'avoir ça qui arrive après ces textes là. Donc je refais un merge ici. Et tu vois que j'ai mon merge en plein milieu. Maintenant, on va pas se mentir, on a dit qu'on en voulait plusieurs. Donc on va d'abord en faire une, mais je vais faire un copier-coller pour avoir les autres. Ensuite, on va faire du transform, puisque nous, on veut le mettre à un certain endroit et d'une certaine taille. Donc je vais en mettre un ici devant abonne machin. Ok. Pour l'instant, je ne mets pas de point clé, je vais quasiment pas avoir d'animation à faire pour ça, donc je me prends pas la tête. Je vais le réduire ici, je vais le mettre à 0.05. Ah, c'est encore gros.
On va le mettre à 0.03, je pense, ça va être bien. Ouais, voilà. On la décale. Et là, on va la pivoter. Faire un 180. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, très bien. Et voilà, on a notre flèche bien positionnée. Avant de terminer cette vidéo, tu as vu la procédure, le petit truc un peu technique, comment on fait. Maintenant, je ne t'ai pas montré comment faire la flèche. Tout simplement parce que la flèche, comme les gens qui ont pris la formation Fusion me demandent sans cesse des nouvelles leçons pour voilà, en apprendre plus, eh ben, j'ai fait un petit bonus. Voilà, en gros, le tuto de comment j'ai fait cette flèche qui fait plusieurs clignotages, je l'ai mis dans la formation Fusion. Enfin, il va apparaître dans la formation Fusion. Et donc du coup, pour ceux qui ont la formation Fusion, vous l'aurez en bonus. Ça va s'appeler bonus créer une flèche ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça reprend beaucoup de techniques qu'on a vues dans la formation. Pour ceux qui sont intéressés, tu peux apprendre tout ça et après, c'est un cas pratique bonus. Et sinon, et ben, simplement, voilà, c'est peut-être que je ferai un tuto sur Fusion. Dites-moi ce que vous aimeriez apprendre, ceux qui utilisent After, ce que vous aimeriez apprendre sur Fusion. Et je ferai peut-être un petit tuto gratuit YouTube sur Fusion. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre un commentaire, etc. etc. Et je te souhaite une super journée. Tchuss.